Silence! Moteur, ça tourne! De mémoire de Niçois, alors que nous avons un des carnavals les plus anciens du monde, il faudrait remonter à très loin, et encore nous n'avons pas trouvé d'anciens capables de nous le rappeler, pour retrouver un tel enthousiasme. Et ce, à une période où on ne peut pas dire que la société française soit en pleine euphorie. Ça veut dire que le carnaval de Nice, cette année, a sans doute réussi à égayer, à apporter de la joie, de la bonne humeur, à attirer par la qualité de son spectacle, puisque avec 204 000 personnes qui sont venues le fréquenter, nous sommes en augmentation de plus de 35% par rapport à l'édition précédente. Alors c'est sans doute le thème du cinéma, sans doute aussi une météo extrêmement favorable, aussi une qualité d'organisation pour laquelle je veux remercier l'ensemble de nos collaborateurs, l'ensemble de nos services. Et puis, il faut dire que nous cherchons toujours, avec les carnavaliers de Nice, les grandes familles, que sont les familles Pignataro, Pauvignat, les grands dessinateurs de notre carnaval, à toujours proposer plus d'innovations, plus de surprises. Et pour l'année prochaine, il y aura beaucoup de surprises en plus. Je veux dire, au moment où j'annonce la fin du carnaval, du cinéma 2019, vive le roi de la mode 2020 pour le carnaval de Nice. C'est dans la boîte.